Ce jeudi 28 décembre, M6 diffusait pour la première fois son nouveau jeu d'aventure Destination X. Malheureusement, le programme présenté par Philippe Bas n'a pas convaincu les internautes. Destination X a-t-il convaincu les internautes? Ce jeudi 28 décembre, M6 proposait son nouveau jeu d'aventure à partir de 21h10. Présenté par Philippe Bas, l'acteur star de la série Profilage, le nouveau programme de la chaîne sort des sentiers battus. 10 candidats sont montés à bord d'un bus noir aux vitres opaques pour un road trip à travers l'Europe. Leur objectif? Découvrir dans quel pays ils se trouvent grâce à des indices sur leur environnement et des challenges en tout genre comme l'épreuve du saut en chute libre que les téléspectateurs ont pu découvrir ce soir sur M6. Le risque pris par la chaîne avec Destination X a-t-il payé? Les internautes ont tranché. Destination X n'a pas convaincu les téléspectateurs, début d'émission totalement raté malheureusement, Destination X ne fait pas l'unanimité. Si estimou, y a pas assez d'action, donc les trois en avion n'ont pas les yeux bandés? Ils vont forcément savoir où ils sont. Je ne comprends vraiment pas le principe de ce jeu, si estimou mais que si estimou, ridicule cette émission, si estimoi ou si esti déjà chiant? Catastrophique le début de Destination X, ça jacte beaucoup trop, si estimou, pas de dynamique de jeu pour le moment. Début d'émission totalement raté, ont jugé les internautes sur X. L'acteur Philippe Bas divise les internautes à la présentation de Destination X sur M6. Philippe Bas campe le rôle du maître du jeu dans la nouvelle émission de M6. Le comédien a-t-il bien fait de se risquer à la présentation d'une émission? Les internautes sont divisés. Qui regarde Destination X juste pour voir Philippe Bas? Clairement moi, si est-ce étrange de voir Philippe Bas dans le rôle de Stéphane Rothenberg, mais si est-ce bien, ça change un peu, Philippe Bas est parfait à l'animation de Destination X, la seule bonne nouvelle si est-ce Philippe Bas qui incarne très bien le maître du jeu, ont commenté certains téléspectateurs sur la prestation de l'acteur. Mais d'autres sont moins fans du changement de registre de Philippe Bas, en présentateur, bof. Stéphane Rothenberg aurait été préférable, j'aime beaucoup Philippe Bas dans les séries, films mais pas dans la présentation ni l'animation. Si est-il tellement pas fluide, Philippe Bas est gentil, mais n'est-ce pas du tout présentateur sorry. Peut-on notamment lire sur X ?